Vous pouvez être tranquille. Tout le monde a été neutralisé. Ce genre d'incident ne doit plus jamais se reproduire. Je sais. Est-ce que je dois faire nettoyer les lieux? Pas le temps, les flics ont débarqué, il faut dégager. Et mettre Luna à l'abri. Comme vous voudrez, Pavel. J'ai pas mal pensé à nous. Moi, je pense à toi tout le temps. Il est pas là, Arshak. Non, il est resté au ranch. Comment ça se fait que t'es au courant, d'ailleurs? C'est ta mère qui l'a dit, c'est ça? Oui, je te l'ai déjà dit 1000 fois. C'est une vraie pipelette. Il t'a plu? Je suis déjà contente qu'il soit encore en vie, lui aussi. Je pense pas que je pourrais le monter un jour. Bien sûr que si. Il pourrait t'obéir à la voix. Tu crois? Je suis sûr. Si je t'apprends à travailler avec lui. Ouais, voilà, je savais bien qu'il y avait Eric. Luna. Arrête, non. Est-ce que tu veux devenir ma femme? Tu me demandes en mariage et tu continues à mentir. T'as raison. J'espère que tu le découvres. Pour pas avoir te lire moi-même. Tout est faux. Si, tout ce qu'on a vécu, tout ce que tu m'as raconté. Non. L'incendie qui a tué ma famille, c'est vrai. Arrête. Laisse-moi t'expliquer. Tout te raconter. Et après, tu pourras me juger.